Comme aujourd'hui, j'ai plus de riz, du coup, je suis allée acheter un paquet de riz. Aujourd'hui, j'ai envie de manger une brochette de poulet. Du coup, il me reste encore 4 cuisses de poulet. Pour faire deux repas pour deux personnes, je vais compléter avec des œufs. J'ai pris 4 œufs et j'en ai acheté un paquet de riz exprès pour manger avec une brochette de poulet. Et pour faire le plat équilibré, du coup, je vais faire une petite salade avec carottes et endives parce qu'il m'en reste encore tout ça des endives et j'ai toujours pas mangé. Pour les épices, je vais utiliser mélange mexicaine. Je fais au pif. Hein. Je vais mettre un petit peu de sucre, du sel et pour finir, l'huile de sésame. Je vais laisser reposer environ 2 heures. Du coup, les 4 os que je viens de découper, eh ben, je vais pas le jeter. Je vais les faire un bouillon. Bah, du coup, ça m'a donné 8 brochettes. Avec la sauce nem. Du coup, il me reste encore tout ça pour demain, donc ça ira avec un œuf chacun. C'est l'heure de faire à manger. On y va. J'ai complètement oublié manger le kimchi, donc on va regarder si c'est bon ou pas. Donc on va ouvrir ensemble. Ça sent trop bon. Je vais goûter s'il est bien acide. Ça veut dire qu'on peut le manger. Elle est bien acide. Je vais faire une soupe au kimchi. J'ai besoin de kimchi. Il me reste chou chinois. J'en ai décongelé la viande de porc. Et pour accompagner, ça sera du riz qui me reste encore tout ça. Du coup, je vais cuisiner tout ça pour 2 repas pour 2 personnes. Et ça, je vais mettre. Et ça, je garde pour la prochaine fois. J'avais complètement zappé que j'avais jus de bouillon de poulet. Donc, je vais faire avec bouillon de poulet. Maintenant, je vais mettre de la viande. Des choux, maintenant je mets quelques kimchi, un peu de jus pour donner du goût.
appétit. Je viens juste de rentrer faire des courses. J'ai pris une baguette et pain céréales. Ensuite, j'ai acheté encore un paquet jeune pousse de salade, allumettes jambon, du surimi, deux boîtes de 10 œufs, galette de riz, bœuf séché, tortilla, riz mortadelle. Bah, aujourd'hui, j'ai pas trouvé les chutes de jambon, du coup j'ai pris ce paquet. Emmental râpé, du parmesan, salade iceberg. Et pour finir, yaourt pour mon mari. J'avais oublié les crèmes fraîches. Maintenant c'est l'heure de cuisiner, du coup comme il me reste un petit peu de pois chiche, et je ne sais pas pourquoi j'ai acheté aussi une boîte de flageolets, donc je vais essayer de faire boucher de pois chiches et flageolets. Donc c'est parti. Je vais mettre un oignon, deux carottes et deux gousses d'ail, un œuf. Donc voilà pourquoi je sais pas pourquoi j'ai acheté une bouteille de flageolets, enfin une boîte de flageolets. Et il me reste tout ça de pois chiches, donc je vais essayer de le finir ensemble. Mais d'abord je vais les légumes et je vais les faire cuire d'abord aussi parce que je sens que ça va pas ensemble. Je vais mettre un petit peu l'huile. Bah là j'ai mis pois chiche et j'ai mis la moitié bouteille de flageolet. Je sais pas si j'arrive à mixer avec ce mixeur. Et maintenant je vais verser les légumes dedans, je vais mixer un peu aussi. Je vais mettre un œuf parce que j'ai peur quand je cuis et ça détache. Un demi cuillère à soupe d'huile de sésame, une pincée de poivre, du sel, un petit peu de sucre et une pincée de cumin. Bon, je vais mettre un petit peu parce que j'ai peur que monsieur ne mange pas. Voilà, et maintenant mélange. Évidemment, il faut mettre de la farine pour ça tenir bien. C'est farine de blé que j'ai mis. Je crois que je vais mettre un petit peu. En fait, le fait que j'ai mis de l'œuf et du coup, ça fait trop liquide. Il fallait pas, hein, en fait. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais mettre dans le sac. Je sais, ça ressemble à quelque chose. Ça m'a donné tout ça et tout ça, donc il y aura assez pour deux repas pour deux personnes parce que je vais mettre dans la feuille de abrap aussi. Good. Yeah.
ça sera avec la mayonnaise. Un petit peu de salade. Un menu, c'est plutôt, je vais faire un apéro plutôt, et pour demain ça sera pareil. Du coup j'aurai besoin des pains, mortadelle, bœuf séché, et pour finir 4 œufs pour faire un œuf moelleux. Donc ça sera un menu rapide. Donc pour faire tenir sur le pain, j'ai mis un kilogramme. Je n'ai pas fait griller à la poêle parce que j'ai la flemme, et en plus c'est rapide, donc pas besoin. Il me reste tout ça pour demain, et ça aussi. Et maintenant je vais mettre décoration avec, avec la salade. Pour aujourd'hui, j'ai envie quiche, donc je vais faire quiche sans pâte. Du coup, j'aurai besoin d'allumettes jambon, emmental râpé, 4 œufs, crème entière. J'aurai besoin de farine. Comme il me restait un petit peu la salade, donc je vais mettre aussi. J'aurai besoin du sel et pour finir, du poivre. De farine de blé, maintenant je vais mettre la crème, des jambons. En fait, je crois que je me suis trompée. Je vais mettre à la fin en fait. Je mets une pincée de poivre. Et pour finir, du sel. Et voilà. Je vais mettre un peu d'huile pour éviter que ça colle. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Là, je fais deux repas pour deux personnes, donc voilà. Bah, du coup, il me reste encore tout ça de gruyère pour la prochaine fois. Qui sans pâte. C'est cuit. Je vais les couper. Petite comme ça, oups, et celui-ci, c'est mon dessert. Du coup je vais prendre un yaourt avec Mirabelle fait maison. Je mets un peu. Ça fait yaourt aux fruits. Bon appétit. C'est bon? Ouais, ça fait yaourt aux fruits.
en général, je mange très rarement les yaourts. Me reste encore tout ça de tomates et j'ai toujours pas consommé et commencé à pourrir. Regardez les deux là. Je pense que je vais faire la soupe de tomates et puis il me reste encore des pains. Donc je vais faire croûtons avec. C'est parti pour la soupe. Pour la soupe tomate, je mettrai un oignon et une gousse d'ail pour donner du goût. Maintenant, je fais revenir l'ail et l'oignon ensemble et j'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Donc maintenant, mes oignons commencent à dorer, je vais ajouter les tomates. Je coupe en deux comme ça cuit plus vite. Je viens juste mixer les tomates. Du coup, maintenant, je vais enlever la peau et les graines. Du coup, ça m'a donné tout ça comme soupe de tomates et là, je vais le faire recuire et je mettrai du sel ou peut-être un petit peu du sucre. Je mets un petit peu du sel. Une pincée de poivre. Allez, trop bon. Parfait. Je vais faire les croûtons. Je vais couper les pains pour faire des croûtons. Aujourd'hui, j'avais envie de manger des nouilles, du coup, je suis allée dans un magasin en bas chez moi et j'en ai pris 2 paquets de nouilles. Et j'en ai profité acheter sauce tomate parce qu'il me reste encore des pâtes. Donc, je me disais autant profiter acheter maintenant. Donc, voilà. Ça sera soupe aux nouilles, du coup, j'aurai besoin de 2 paquets de nouilles. J'ai décongelé la viande de porc. Il me reste encore. Chou chinois, je mettrai une carotte et 2 gousses d'ail. Je mets un petit peu d'huile d'olive, puis je fais revenir de l'ail. Et je fais revenir aussi de la viande. Maintenant, je vais verser les carottes et les choux.
Ensuite, de l'eau. Maintenant, je vais mettre un peu de sel et du poivre. Il manque quelque chose là. Je crois que je vais mettre un petit peu sauce soja et sauce poisson. Il manque du goût parce qu'il n'y a pas de bouillon, donc voilà. Maintenant, je vais mettre les nouilles. Deuxième nouille. Il me reste encore tout ça de coriandre, je vais mettre aussi. Enfin, que pour moi, parce que mon mari, il aime pas. Bon appétit. On va voir ce que ça donne. C'est validé. C'est validé? Ouais, c'est validé. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du lasagne. Et du coup, je suis allée au magasin en bas chez moi. J'ai pensé d'avoir trouvé le brocoli à 99 centimes, mais bon, je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris champignons. Donc, j'ai payé 99 centimes. Du coup, il me reste encore tout ça de carottes, donc je ne sais pas combien je vais prendre parce que je vais préparer deux repas pour deux personnes. Donc je verrai tout à l'heure. Peut-être je prendrai une dizaine pour faire plus de légumes. J'aurai besoin de deux oignons, une gousse d'ail et menthe râpée. Il me reste encore tout ça. Je vais utiliser la crème fraîche, farine. Je vais utiliser deux œufs aussi, donc ça sera 200 g farine et deux œufs. Ensuite, sauce tomate. La dernière fois, j'ai acheté avec des nouilles. Et pour finir, viande de bœuf que j'ai congelée. Et là, je l'ai sortie. Je viens juste couper les carottes, oignons, ail, ainsi que les champignons. Là, j'en fais trop. Je ne m'attendais pas autant, donc là, il y en a au moins pour une semaine parce qu'on n'est que deux à manger. On n'aime pas manger toujours la même chose. Je ne sais pas comment je vais faire. S'il en reste, peut-être je vais mettre en congèle parce que là, un peu trop. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Oups. Et je fais revenir l'ail, carottes, oignons et champignons ensemble. Ça fait beaucoup, hein? J'espère que ça rétrécit un peu. Maintenant, je vais verser la viande. Un peu de sel. Une pincée de poivre. La sauce tomate. Alors du coup, dans un premier temps, 200 g de farine. Bon, un paquet fait 1 kg. Là, je suis à environ à 150 g, on va dire. Hop, je suis à 200 g. Et deux œufs. Je vais mettre
2 cuillères à soupe de farine de blé. Et je vais mettre la crème fraîche. Je vais verser directement dedans parce que comme ça, ça m'évite de faire salir tous les casseroles. Je vais mettre le parmesan aussi. Maintenant, on va préparer, hop, comme ça. Et là, hop, un peu trop lent. Le gruyère. Et maintenant, direction au four. Voilà, lasagne vient juste de sortir du four. Comment? Comme ça. On vient juste de finir manger, du coup il nous reste encore tout ça pour demain. Rendez-vous le vendredi prochain pour la fin épisode et la conclusion. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Je vous souhaite passer de bons week-ends et je vous fais des gros bisous.